Et coucou les gens. Coucou Carmel. Coucou KTH. Comment allez-vous? Alors ce soir, du coup, on continue Castlevania Bloodlines. Coucou Mardak. Donc, le grand but là, ça serait. Ça va être d'essayer de le finir. Il reste un niveau. Je rappelle de la magnifique règle de ce jeu. Une seule vie. Pas de continu. Vu que mon mot de passe, c'est ça. C'est ça le mot de passe? Bizarre. J'ai l'impression que c'est un vieux mot de passe, ça. Non, c'est bon. Je finis ce soir. Bah, on verra. On verra comment est le niveau, en fait. Attends, faut que je me remette tout en place. Ça commence très bien. Ouais, j'aurais cru aussi. Il ressemble vachement à celui du niveau 5. Boum. Oh non, c'est vrai, le truc chelou. Ah, nul la vie. Quel génie! Ah mon dieu! Couscorvox! Oh la pute! La vie salvatrice! Bon, j'imagine qu'elle repop pas, hein. Facile. Hein, par contre, les gemmes, ça repop, hein. Connard. Oh, elle repop. Pourquoi ma vie, elle est nulle? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je suis au bord. C'est bon. Quel scandale. Oh putain. Bon. La fuc. Ok. Pète les burnes là. Mais...
Je comprends rien. Je suis mort où? Je suis mort dans quoi? What? J'ai pas compris la perspective là. Mais oui, j'ai regardé mes pieds, mais là c'était faux là. Là, l'arbitre il triche là. Il a acheté là. À l'envers. Bon, moi, ils me disent, vas-y, retente, va chercher une vie. Oh bah, ah, ok, d'accord. Non. Ah oui, c'était pas l'armure là qui me coursait. Si j'entends l'armure là. Chatte. Oh, solo. Ok, d'accord, elle pop n'importe où. Déjà? C'est si court? Putain, génial. Oh, putain. Oh non, c'est la mort, c'est pas Dracula. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais non, mais c'est à la fin qu'on aura une carte comme ça. C'est quoi ce jeu de tarot là? Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, wow. On prend rien. Mais c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà fait ce boss. C'est quoi cette mort là, bizarre hein?
Ah non, non, mais c'est quoi ce boss rush là? T'as Konami, c'est pas parce que Capcom fait des boss rush qu'il faut faire pareil. Je voulais juste le toucher, hein. C'était zéro timing là. GG pour les level up. Mais il en reste une, donne-la moi. C'est immonde comme boss. Mais c'est quoi cette mort la con là? Enfin, pas ma mort à moi, mais la mort le boss quoi. Avec un M majuscule. C'est quoi? Mais c'est nul comme concept. Ah, oh, vas-y. Du coup, j'ai cru que j'atterrissais sur la petite plateforme, pas sur celle qui est toute là-bas. J'ai du mal à viser les méduses. Encore les plateformes avec mes pieds, ça j'ai compris, mais les méduses. Donc là, il y a une eau bénite, je m'en balèque. Ah, il n'y avait pas de vie cette fois. Il y avait un truc de fouet. Ah, j'ai peut-être pas. Ouais, bon, si je le fais comme il veut. Là, j'ai compris. Il n'y aurait pas tout le temps. Waouh, quelle chance! Je pensais que j'étais baissé là du coup. J'ai pas retenu.
On va faire comme ça, on lance dans une direction. Et on se retourne de l'autre. C'était propre. Oh, j'ai le beau fouet. Ah, j'ai pas retenu la carte des viandes. On est à un menu. La carte des viandes, oui, elle est... On va faire au pif, hein. Pourquoi le jeu même pas? J'ai pas fait exprès de sauter en avant. T'as ce boss, il est caca, j'ai réussi à faire de la dôme. Oh, on va sur son point. Et du coup, on se bat contre la mort après? Ou genre le jeu de cartes est fini, elle meurt? Ce serait énorme. Oh, le hit que je viens de prendre. Par contre, là, s'il te touche quand t'es au bord, parce que là, il va faire la phase... Ouais, d'accord. J'ai l'impression que les boss sont quand même moins résistants que quand tu les rencontres normalement. Ce qui est logique, ça aurait été horrible. Bon, il reste le boss rouage. En espérant pas prendre de dégâts et qu'il n'y ait pas grand chose après. Ah putain. Ok, je pensais qu'il allait bah, se mettre comme ça direct. Bon. J'ai pris un coup, bah, il me reste moitié de la vie pour faire la mort. À part s'il explose tout de suite. Mais ça serait débile un combat sans la mort. Et là, boum, elle explose. Ah bah ça aurait été trop beau. Waouh. 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 Comment elle pue du fion? Oh mais y a pas de vie, y a plus de sauvegarde. Putain, elle est nulle là-bas. À direct Dracula quoi. Putain mais j'ai pas de vie, ça qui est horrible quoi. Faudrait que j'arrive à garder ma vie. Bon, une fois qu'on reconnaîtra bien le niveau, bien le pattern. Qu'est-ce qui est elle? Qu'est-ce que c'est? What? C'est quoi ça?
Putain, mais avec la manette, je vous jure, je contrôle la capture d'écran du password. C'est vrai que ça m'ouvre des menus en appuyant start. C'est n'importe quoi. Du coup, ça pivote l'image. Ah bah oui, c'est la Big Boobs Win, Big Boobs Window. Alors lire dans un jeu de plateforme. Dans les Metroidvania, je veux bien lire. Dans un jeu de plateforme. C'est-à-dire, qui a déjà lu le texte qui pop au début du Super Mario World? Hein? Qu'est-ce que ça raconte? Dites-moi tout. Oh non. Bon, en même temps, j'utilise pas, mais. J'ai pris la vie. J'ai pris un hit surtout. Celle-là, je n'y arriverai jamais. Hein. C'est ouf. Mais. Alors tu verras là que je vais faire les mauvais pifs avant d'avoir... What? Je vais pas lancer ça, mais... Pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là? Bon, là par contre, j'aimerais bien voir les poulets. Est-ce que je peux choisir la carte? Non, c'était celle d'avant. Ah, oh, faut pas que je prenne deux coups. Là, il est petit, il va se... Voilà. Voilà, ça je retiens. Ok, cool. Atlas. Je devrais pouvoir les stocker. Oh le bâtard. Un petit hit, dommage.
Voilà, je gère ces deux attaques. Hey, coucou Seb, comment tu vas? Oh, ça peut aller aussi. Galère sur ce jeu. Elle m'a pas fait ce pattern tout à l'heure. Ah dommage, j'aurais pu faire hitless sur la mort. Ah, un jeu que t'as failli speedrun. Bah il est bien. Hein. Par contre moi là du coup je suis en mode galère. Les mots de passe reset pas les vies et les continues du coup. J'ai dû me faire les deux derniers niveaux avec quasi une seule vie quoi. Là j'en ai trouvé une dans une chandelle. Par contre là ouais. Ok, tout à l'heure, attends, elle m'a bien défoncé. Elle a fait un coup de queue là. Mais les bites, elle est moisie! C'est moisi comme boss! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est quoi, ça pue? Ça touche pas. Waouh! Mais c'est quoi ça? Ok. Ça sert à quoi les boules qui tournent? Parce que j'ai pas l'impression que je me les prends. J'ai l'impression que je me suis fait toucher là. Je comprends absolument rien. C'est juste chiant en fait. Oh, pour un point de vie, se retaper une phase entière, c'est nul. Si je meurs, je me retape la mort. J'espère pas. C'est trop long. Quoi? Ah! Ouh! Ok, super boss. C'est quoi ce genre? Ah, dites-moi, il y a un mot de passe. Et, fin du niveau, mot de passe, et après c'est Dracula, et je peux le faire tant que je veux.
Heureusement qu'il y a la musique pour rattraper. Ah, peut-être là. Même pas, mais je suis mid-life. Donne de la bouffe. Mais donne-moi à manger. Ok, là c'est Dracu. Ouais, mais bon, t'as vu l'énergie que j'ai? Tape la tête. Oula, il y a du feu. Tape la tête. Oh putain. Mais il est mort, regardez, double KO. Bon, au moins, on reprend un Dracula. Bah par contre, avec un fouet caca, regarde le fouet que j'ai. Mais c'est quoi ce fouet de la farfouille? C'est des putes. Il y a zéro allonge. C'est quoi ces attaques là? Mais je suis obligé d'être au corps à corps. La fouille refouille, mais c'est ça. Il fait pas beaucoup de dégâts par contre. Pour avoir le timingue. Ok, phase 2. C'est la mort? Mais mon fouet est trop petit! Oh, il y a une phase 3! Oh putain, on était si proche de la fin! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce slip en forme de bouche? Ok. Il a un slip bouche. Bah, j'avais un fouet caca. Mon fouet, là, était ridicule. Je comprends pas pourquoi il te donne le fouet pourri. Il pourrait pas te donner, genre... Pas le fouet laser, hein. Bon, au moins, un fouet digne de ce nom, quoi. Oh, j'avais pas vu la boule. Merci, Seb.
J'ai tué la vie. Oh, fais chier, putain. J'ai tué la vie. Celle-là, elle est impossible, honnêtement. Je pense que tu dois trouver un peu plus de Super Castlevania 4 que celui-là. J'en fous. Ce qui était là, je suis un vrai, moi. De toute façon, que j'ai une vie ou pas, faut limite que je le one life, le truc. Parce que sinon, Dracula, il est impossible. Ça c'est dégueulasse, franchement. Je l'ai eu la ville. On est tous d'accord. Je sais même pas comment je fais pour. Les méduses, honnêtement, avec cette perspective là. Je dois avouer que c'est. C'est légèrement du pif. J'ai tout compris en fait. Depuis le début, je vous fais marcher. J'ai sauté, monsieur l'arbitre. En fait, ce niveau-là est pas dur. C'est juste l'enchaînement des. Enchaînement des trois boss, quoi. Avec le miroir, je pensais qu'elle allait exploser. Et à quoi il sert sinon? Alors, en fait, ce combat là, contre la mort, il est relou.
Oh! Il a failli me trollolo, le petit! Ah bah comme ça on enchaîne les trois boss. T'es sérieux là? Ah mais il a fait le triple H, je voulais pas faire ça. Quelle vie? Il y a une vie? Ah tu parles du poulet. Je pensais qu'il y avait une vie qui droppait. Parce que je vois une seule vie dans ce niveau et pour l'avoir, c'est genre je la saute. Enfin, elle est au début et des fois je casse la chandelle et ça marche pas. Elle tombe. Putain, mais ma vie devrait faire. Limite, la vie de l'ennemi, ça devrait être la mienne maintenant. C'est quoi ce pattern là? Allez, tchou! Bah, easy win, easy win. Bon, là, je devrais pas me faire toucher non plus. J'ai l'impression que ça a l'air assez script comme boss. Bon, je fais ça. Ça touche pas. Je baisse. Hop. Et après, c'est bourrage. Non, j'ai sauté trop tôt! Quel abruti! Putain! Bah, les deux boss là, la mort elle est nulle et celui-là il est nul, il sert à rien quoi, je veux dire. J'ai juste pris un hit. Par contre, j'ai l'impression que les boss ne font pas beaucoup de dégâts. Ils font 2 points de vie. Même Dracula, il fait que 2 points de vie. Ils ont été gênés, sympas là-dessus en tout cas. Par contre, je sais pas à quoi ça sert les trucs qui tournent. Si je prends trop longtemps, ça me tombe sur la tronche. Ah oui, j'ai l'impression que ça s'arrête. Ah oui. Alors, vous appelez ça quoi? Du talent? Ou de la grosse...
la chatte. Déconner zéro l'attaque là. Bon, en fait, oui, ça tourne et quand elles se rejoignent, ça fait l'attaque. Ok. C'est ouf qu'on va faire du coup une phase entière pour enlever un point de vie quoi. Moi j'aurais préféré avoir ma vie à Dracula quand même. C'est vrai que là une petite vie avec quasi full life là et peut-être une vie en plus ça aurait été cool. Je prends le boomerang. Je vais garder un maximum de gemmes pour balancer peut-être des tripes sur la dernière phase. Là, il y a une hache. Ah, j'aurais peut-être dû prendre les haches pour la phase quand il est dans les airs, en fait. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Timing. Ouh. Ok, ça c'est cool. Attends la phase de caca. Oh, la dernière phase. Ok, en vérité, j'ai pas compris, hein. Juste qu'il était en slip. Je comprends rien. Je piffe monumentalement. Qu'est-ce qui se passe? Les roues. Waouh, waouh, waouh. Je viens d'apprendre qu'on peut fouetter par le bas. Il finit le jeu et il peut fouetter en bas. Oh, merci pour les GG. Oh, je suis content. Ah, moi aussi. C'était quoi cette phase à la fin? Je comprenais rien.
La résurrection de Dracula a été avortée. Okay. Ah bah Seb, tu poses la question. Je vais du coup pouvoir... mettre la petite croix.